Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Vaera, deuxième paracha du livre de Shemot, paracha où on nous fait part des sept premières plaies, qui est en fait la 14e paracha de la Torah. Tiens, 14, sept plaies. En fait, les plaies d'Égypte avaient deux sens. Une, c'était frapper les Égyptiens, et une autre, c'était enseigner aux enfants d'Israël combien Hachem, combien Dieu maîtrise la nature, maîtrise l'histoire, maîtrise le monde, et que à travers les 10 plaies d'Égypte, les enfants d'Israël puissent comprendre le sens des 10 paroles créatrices. Parce que on parle du témoignage que Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour, il se reposait. Mais il n'y avait pas d'homme pendant les premiers jours de la création. L'homme a été créé le 6e jour de la création. Comment on peut être témoin de quelque chose qu'on n'a pas vu? Alors, la sortie d'Égypte et les miracles de la sortie d'Égypte vont être une sorte de reprise de la création du monde. Il n'est pas un hasard qu'il y a justement 10 plaies d'Égypte et qu'au moment de la création, il y a 10 paroles créatrices. Et que les 10 plaies d'Égypte étaient là pour nous faire réfléchir sur les 10 paroles créatrices. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël pouvaient, à travers les plaies, reconnaître la grandeur de Dieu. Et c'est remarquable ce lien qui va être lié avec le Shabbat, puisque le Shabbat c'est le jour du témoignage. Témoignage que Dieu a créé le monde en 6 jours, 7e jour il s'est reposé. Et qu'on trouve justement 7 plaies dans cette paracha. Alors que normalement il devrait en avoir 10. Mais on a laissé 3 pour le Shabbat prochain. Et d'un paracha beau. D'ailleurs beau, la valeur numérique de beau c'est 3. Ça nous permet de se rappeler qu'il y a 3 plaies d'un paracha de beau. Et d'un paracha de Vaera, eh bien il y en a 7. Mais 7 qui ont un double sens, un sens pour les enfants d'Israël, pour leur enseigner le lien avec la création, et aussi punition pour les Égyptiens par rapport à tout ce qu'ils ont fait endurer aux enfants d'Israël. Alors, puisque c'est 7 pour là et 7 pour l'autre, ça fait donc 14 et 14, 14e paracha de la Torah. Quand on voit la fin de la paracha la semaine dernière, c'est intéressant parce que le dernier verset de la paracha la semaine dernière, c'est en fait le premier verset du 6e chapitre. Notre paracha commence au 2e verset du 6e chapitre. Donc il y a quelque chose. On sait que le découpage en chapitres n'est pas d'origine de la tradition et que notre lien avec le découpage de la Torah, eh bien, c'est celui de la paracha. Et il y a beaucoup de choses à travailler là-dessus. Mais on peut remarquer qu'au dernier verset de la paracha la semaine dernière était marqué. Ki biyat hazaka ishalhem, ou biyat hazaka igarshem merzo. Car d'une main forte, je vais les faire renvoyer avec une main forte, ils vont être chassés de cette terre. Et donc, il y a ici Yad. Alors, deux fois Yad, c'est 14. Deux fois 14, ça fait 28. 28, c'est le Kohar, c'est la force. Mais quand on regarde le début de la paracha, qu'est-ce qui est marqué? Dieu dit à Moshe, Vaïra, El Avraham, El Yitzhak, et Yaakov. Je me suis dévoilé au patriarche, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Bekel Shaddai. Dans un Dieu, Shaddai, Shamar Lolamo Dai, qui a montré toute sa puissance en disant au monde de s'arrêter. Quand il y a eu l'élan de la création, Hachem a donné les paroles créatrices et le monde s'est mis à développer, à se développer, et pouvait se développer pratiquement à l'infini, puisque la parole de Dieu est infinie, puisqu'elle provient de Dieu. Mais justement, il fallait donner la définition d'un monde fini, d'un monde matériel. Et donc Dieu va dire au monde « stop, die ». Chez Amar Lolamodai, c'est ça le nom de Dieu, de Shaddai, qui a dit au monde « stop ». Et Dai, c'est composé de deux lettres, Dalet et Yud. La Dalet, c'est 4, ça fait référence aux 4 leshonot, aux 4 verbes de libération qu'on retrouve justement dans notre paracha. Veotse tietrem, je vous ferai sortir. Veitzal tietrem, je vous délivrerai. Vegal tietrem, je vous sauverai. Ve lakar tietrem, l'ilaram, je vous prendrai comme peuple. 4 verbes qui vont être en rapport avec les 4 vers de la soirée du Seder. Il y a tout ce principe du 4. Et d'un autre côté, on a le Yud dont la valeur numérique est 10, qui va faire référence aux 10 plaies d'Égypte, qui sont, comme on l'a dit, l'écho des 10 paroles créatrices, et qui vont nous préparer à être perméables, à pouvoir entendre les 10 paroles de la révélation, qu'on dit les 10 commandements. Ainsi, les
Au début de la paracha, on dit Veloshamo el Moshe mikot seruach ou marvod akasha. Au début de la paracha, on dit que les enfants d'Israël ne pouvaient pas entendre Moshe. En fait, ils ne pouvaient pas entendre, ils n'avaient pas la possibilité d'être perméables au message. Et c'est pour ça qu'il va avoir les plaies d'Égypte qui vont permettre d'ouvrir aux enfants d'Israël la possibilité d'être perméables au message et à travers les 10 plaies de pouvoir recevoir, comprendre, écouter et accepter les 10 paroles de la révélation au mont Sinaï. Et c'est ce lien, cette connexion des 10 paroles créatrices aux 10 plaies d'Égypte pour arriver aux 10 paroles de la révélation. Et on pourrait retrouver un lien intéressant. Dieu a dit au monde stop, die, ça suffit. Et le nom de Dieu de Shaddai, Shin 300, Yud 10 et Dalet 4, ça fait 314. Ça nous fait penser un petit peu à Pi, qui va être un chiffre très particulier, qui est Pi, c'est P, c'est la bouche est créatrice, si on peut s'exprimer ainsi pour Hachem, et de cette bouche qui va être pour nous la bouche qui va prier, et qui va dire Hachem, Dai, Dai et Tsarotenu, ça suffit pour nos souffrances, suffit des difficultés. Et ce Dai, Dieu a dit au monde, Dai, stop. Arrête de te développer. Et nous disons à Hachem, Daï pour les Tsarot, on veut arriver à la Géoula, à la délivrance. Et c'est dans cette dimension de délivrance que, eh bien, on arrivera à la lumière, à la délivrance générale. Allez, je vous propose de retrouver Mordechai ben David, Arachaman, la fin de la prière du Birkat Hamazon, de cette bénédiction fabuleuse des actions de grâce après le repas. On a une différence quand c'est un Birkat Hamazon que l'on fait un jour de semaine ou un jour où on fait le Moussaf et on dit Migdol Yeshuot Malko, Migdol Yeshuot Malko, Mordechai Ben David. Hoy, no, 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 no
Les David, Ulzar o Adolam, à David, au roi David, et à sa descendance pour toujours. Ça ne vous a pas échappé, bien évidemment, que le nom du roi David, ancêtre du Machiar, s'écrit Dalet, Vav, Dalet. Dalet, c'est 4, Vav, c'est 6, Dalet, c'est 4, encore. 4 et 6, ça fait 10, et encore 4. Eh bien, ça fait 14. Et donc, David, c'est encore dans cette dimension de ce 14 que nous avons évoqué dans cette paracha, qui est la 14e paracha de la Torah. Alors, on a l'évocation dans notre paracha des 4 verbes de libération, les 4 leshonotes, veotseti, veitsalti, vegalti, velakarti, des synonymes qui ont chacun leur sens très particulier, qui part de la situation la plus grave pour arriver à la quartier Tremiliam. Je vous prendrai pour peuple, qui est une dimension de libération qui est fondamentale, parce qu'une libération sans message, sans constitution, sans programme pour savoir canaliser, pour savoir orienter cette libération, eh bien, peut amener au chaos, comme on a pu le voir dans les printemps, les révolutions qui ont pu accompagner toutes les civilisations à travers les siècles. Et là, eh bien, c'est important, de la libération au sens de la Kartik, qui est la fête de Shavuot. Et c'est très intéressant parce que on a 3 verbes qui sont dans un même verset et un verbe qui est dans le verset d'après. Parce qu'en fait, il y a 3 verbes qui font référence à la sortie d'Égypte de Pessah. Et puis, Vela Kartier Tremnilam, c'est une autre fête, c'est pour Shavuot. C'est à Shavuot que Dieu nous a pris comme peuple. Et donc, il y a cette distinction dans le texte. Alors, ces 4 verbes vont faire référence aux 4 verres que l'on va boire le soir du Seder. Et il y a quelque chose de remarquable, parce que quand on parle des verres, ben, ce sont des verres de vin. Alors évidemment, si on ne supporte pas le vin, on pourra utiliser le jus de raisin, souvent. Parce qu'il faut tenir, hein, les 4 coupes en une soirée, c'est peut-être pas évident. Mais idéalement, c'est le vin. Pourquoi le vin ? Mais parce que quand on boit du vin, au fur et à mesure qu'on le boit, eh bien, on va avoir le visage qui peut changer. Ça va nous provoquer une simcha, une joie, qui peut se remarquer sur le visage. Un autre aspect, parce qu'on aurait pu prendre un autre alcool, mais le vin, plus il vieillit, et plus il est bon. En général, dans les denrées que l'on rencontre, elles ont un certain âge, elles périment, elles sont pas. Plus c'est ancien, et moins c'est forcément bon. Alors que dans le vin, plus il est ancien, et plus il prend de la valeur. Et c'est ça l'enseignement de ce que l'on va raconter de la sortie d'Égypte. Au fur et à mesure des années, ça prend de la valeur. Alors c'est vrai qu'on l'a raconté l'année dernière, on l'a raconté l'année d'avant et l'année d'avant. Mais chaque année, ça prend de la valeur, ça prend encore plus de profondeur, plus de sens. Parce que nous changeons, parce que nous évoluons dans notre vie, et que le message de la sortie d'Égypte est un message qui est toujours actualisé, et que l'on doit savoir réactualiser. Il faut faire les mises à jour, entre guillemets. Oui, il ne faut pas se contenter des midrashim, des explications qu'on a eues au Talmud Torah. C'est bien d'approfondir, de rechercher des nouveaux midrashim, de voir des commentaires, et c'est pas ce qui manque. Et c'est comme ça qu'on préparera la soirée du Seder, où on pourra partager avec les enfants eh bien, la sortie, et communiquer aux enfants en leur racontant la sortie et leur faire vivre la sortie d'Égypte. Vous savez, un enfant il va suivre un récit, il va le vivre. Vous allez voir dans ses yeux une attention et un émerveillement qui est extraordinaire. Et ça, c'est très important. Et on le prépare dès maintenant, en étudiant justement, avec beaucoup de finesse et de profondeur, la paracha de cette semaine, la paracha de la semaine prochaine, ces parachutes qui sont les parachutes de la sortie d'Égypte. Et c'est très très intéressant, parce que il y a un dicton qui dit Nirnasiyin Yetsesod, quand rentre le vin, eh bien c'est le secret qui sort. Et oui, quand on boit du vin, il peut y avoir des dévoilements qui peuvent se passer. Et Yahin, Sefer Almeri, c'est 70. Yud, Yud, Nun, Yud, c'est 10. Puis Yud, encore 10. Et Nun, c'est 50, c'est fait 70. Comme le mot Sod, Nirnasiyin, rentre le vin, sort le Sod, le secret. Sod, c'est sa mère, Vav, Dalet, sa mère 60, Vav 6 et Dalet 4. Ça fait aussi 70. Mais 70,
c'est aussi le nombre des personnes qui sont descendues avec Jacob en Égypte. C'est la base, on pourrait dire, du peuple hébreu qui descend en Égypte. Nirnas Yahin, alors quand on va ressortir, on va rentrer le vin, eh bien, on va pouvoir appliquer la sortie d'Égypte, vivre cette sortie d'Égypte pleinement et complètement. Et nous allons retrouver notre moment de réflexion sur la Haftara de la semaine, qui est tirée du livre de Yéhézkiel, Ézéchiel, chapitre 28, au verset 25 jusqu'au chapitre 29, au verset 21. Une Haftara commune, Ashkenaz, Sépharad. Et une Haftara qui nous fait référence à la 10e année du roi Tzidkiaou, exactement le 12 Tevet. On est encore au mois de Tevet, bientôt on va changer de mois, le mois de Shvat très bientôt. Mais le 12 Tevet, c'est là le moment de l'annonce de la destruction de l'Égypte. Après avoir dominé le monde, eh bien, va être écrasé par Nabucodonosor, avec un exil qui de 40 ans, qui est décrit donc dans la Haftara, qui sera en l'an 3346 du calendrier hébraïque, d'après la tradition en moins 414. C'était 8 ans après la destruction du temple. Il faut dire que les enfants d'Israël s'étaient basés, comptaient sur l'Égypte pour les aider contre Babel, pour se rebeller contre Babel, que ce soit à l'époque de Sennacherib ou à l'époque de Nabucodonosor. Mais Babel est comparé à... l'Égypte est comparée à une canne de roseau ridicule. Il y avait des bons contacts avec l'Égypte, au point que quand ils se sont rebellés contre Babel, eh bien, les Égyptiens se sentirent l'obligation de venir en aide aux enfants d'Israël qui étaient en Eretz Israël. Ils sont venus en bateau. Et Dieu a provoqué qu'il y ait des cadavres qui sont mis à surnager dans la mer. Et là, les Égyptiens se sont dit « Ah, mais ces cadavres, ça doit être les cadavres qui ont été engloutis dans la mer Rouge quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. » Et alors, ils rebroussèrent chemin. Plusieurs siècles après l'histoire de l'Égypte, eh bien, on voit que Hachem a puni l'Égypte. Rien ne se perd. Tout est millimétré. D'ailleurs, il y a aussi un aspect qui est intéressant. Pourquoi 40 ans d'exil? Alors, il y a une interprétation qui va être la suivante. Quand Pharaon a fait son rêve des 7 vaches grasses, 7 vaches maigres, 7 épis gras, 7 épis maigres, finalement, on pourrait dire qu'il y a 7 vaches maigres et 7 épis gras, et 7 épis maigres. Donc, 7 et 7, ça fait 14. En fait, il y a une référence de 14 années négatives par rapport aux vaches maigres et par rapport aux épis maigres. C'est vrai que dans l'interprétation de Yosef, tout ça, ça ne va faire que 7 ans. Mais quand on va s'appliquer au texte, ben ça fait 7 et 7, ça fait 14. Or, la Torah raconte le rêve de Pharaon, puis Pharaon va le raconter à Yosef, et après Yosef va le répéter en l'interprétant. Et donc, on va voir trois fois le texte de ces 7 vaches maigres, 7 épis maigres, et donc 14 années, par 3 fois, ça fait 42. Et en fait, il y avait 42 ans qui étaient prévus de catastrophe. Or, il y a eu 2 ans de famine qui était à l'époque de Yosef, et quand Jacob est descendu en Égypte, eh bien, la famine s'est arrêtée, et donc il restait 40 ans, et 40 ans ne se sont pas perdus. On les retrouve justement dans l'exil qui est annoncé dans notre Haftara, l'Haftara de Yéhézkiel. Comme quoi, que tout se retrouve et rien ne se perd, qu'il y a ce principe de qu'Hachem rétribue comme il le faut, et punit comme il le faut aussi. Il va être temps pour moi de vous souhaiter un Shabbat Shalom, un Shabbat de paix, d'études et d'élévation. De vous donner rendez-vous tout à l'heure à 15h05 pour prolonger notre réflexion. Et pour l'heure de vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Omevorach.